éclairons un mur avec un projecteur de lumière blanche auquel nous avons ajouté une fine fente. Entre le projecteur et l'écran, je vais ajouter un réseau, c'est-à-dire un plastique contenant des milliers de traits très fins. On peut apercevoir à gauche et à droite de façon symétrique deux bandes de couleurs. Ces bandes de couleurs, allant du bleu au rouge, sont appelées le spectre de la lumière blanche. Toutes ces couleurs étaient initialement dans la lumière blanche et le réseau a permis de les décomposer.